atelier a pour objectif de sensibiliser sur les procédures d'enregistrement des faits d'état civil, naissance, mariage, décès. Mais l'autre élément, surtout, c'est par rapport à leur mission. En tant qu'acteur au niveau de la base, il fallait les outiller sur les procédures. Comment faire pour avoir l'enregistrement universel avec le rapprochement auprès des structures de la santé, l'interopérabilité santé-état civil. Et on avait constaté dans le sud, le taux était un peu faible. Il fallait accentuer la formation pour une meilleure prise en charge de ce volet état civil dans les collectivités territoriales. Comme vous le savez, c'est un droit pour chacun d'avoir un acte d'état civil. Et comme vous le savez, toujours dans le cadre de la modernisation, nous avons engagé un vaste chantier de modernisation avec l'anonymisation et l'indexation de 20 millions d'actes. Et aujourd'hui, nous avons plus de 240 centres interconnectés au niveau national. Il est extrêmement important avec le de former pour le changement de comportement pour que les agents qui gèrent l'état civil à la base, que ce soit aussi bien les officiers que les agents d'état civil et les archivistes, qu'ils puissent avoir à changer avec la digitalisation, parce que nous avons équipé plus de 19 communes dans le sud en matériel informatique, mais aussi l'application NECAL qui permet d'interconnecter les centres, qui permettent aussi une meilleure accessibilité des services, mais surtout sécuriser les actes d'état civil. Au Sénégal, avec le programme NECAL, et surtout sous l'autorité aussi du ministre Moussa Balla Fofana, le gouvernement avait donné des orientations d'accélérer la modernisation du système. Et aujourd'hui, dans le cadre de la modernisation d'administration, nous avons fait un bond en avant, comme je l'ai dit. À partir de la cartographie réalisée, nous avons envoyé des équipes dans tout le pays. Aujourd'hui, nous avons numérisé 20 millions d'actes d'état civil des Sénégalais, y compris aussi les actes d'état civil des Sénégalais de l'extérieur. Et nous avons interconnecté plus de 300 centres. Et pour l'application des gestions, nous avons déployé dans 240 centres au Sénégal, dans les 14 régions. Aujourd'hui, si vous allez dans ces centres-là, ils ont des ordinateurs de dernière génération interconnectés à l'intranet gouvernemental qui permettent d'échanger aujourd'hui un officier pour intéresser un acte qui date des années passées pour avoir, à partir de l'indexation, l'acte d'état civil et élaborer l'acte et délivrer l'acte dans toute sécurité. Ça, c'est un pas. Et l'autre élément, après l'interconnexion, nous allons vers la plateforme des juges âgés qui va permettre à chaque Sénégalais d'avoir son acte sans se déplacer, même à partir de son téléphone. Donc, c'est par phase. Il y a cette première phase-là d'interconnexion des centres pour que les centres puissent se communiquer entre eux. Vous soyez à Bignona, vous introduisez, vous mettez le numéro et la date de naissance de l'acte de la personne, son acte s'affiche. Ça, je pense que vous pouvez même visiter au niveau du centre d'état civil pour voir c'est quoi l'application des gestions des faits d'état civil. Et surtout, nous avons formé plus de 1000 personnes aujourd'hui au Sénégal en 2 ans sur l'utilisation de l'application, les fonctionnalités, comment enregistrer l'acte, comment délivrer l'acte, les processus de validation. Tout a été fait avec les élus, avec l'accompagnement du gouvernement et nous sommes toujours dans une phase d'accélération pour l'interconnexion totale. Et nous avons utilisé aussi CENOM pour l'interconnexion des centres. Et un fait extrêmement important aussi, c'est sur les données. Les données, comme vous le savez, sont hébergées dans les plateformes, dans les data centers de CENOM au Sénégal. Ça aussi, c'est extrêmement important de signaler. Et il y a une politique aussi de protection des données qui est développée, qui est mise en œuvre. Aujourd'hui, le Sénégal vraiment a connu des avancées significatives dans le processus de la modernisation. On n'est pas uniquement entre quatre murs, mais dans les communes pour régler le problème de modernisation de l'état civil. Donc la situation est en train de s'améliorer de façon significative. Et ce changement, nous le devons pour l'essentiel au soutien inestimable que nous avons toujours eu de la part de l'Agence nationale de l'état civil. Et pour votre information, je voudrais que les populations de Ziguinchor, en particulier vous de la presse et l'opinion nationale, que les gens sachent que Ziguinchor a eu beaucoup de privilèges auprès de l'Agence nationale de l'état civil. Il n'y a pas eu de grands événements nationaux auxquels la commune n'a pas été associée. Au niveau de la formation, nos agents ont bénéficié dès les premières heures de formation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une relative performance au niveau donc de la gestion et de la délivrance des actes d'état civil. Et pour prouver qu'effectivement Ziguinchor, sur ce plan, est bien pris en charge, on nous a fait l'honneur pour l'année 2024 d'accueillir un événement aussi important que le lancement de la Semaine nationale de l'état civil et de commémorer la journée de l'état civil.
un ensemble d'éléments et de preuves qui montrent la volonté, encore une fois, affichée aussi bien de l'Agence nationale de l'état civil que des autorités en charge de la tutelle, de faire des Ziguinchor une préoccupation majeure au regard du contexte spécifique des Ziguinchorois qui ont des personnes déplacées en leur sein. Et pour toutes ces raisons, il y a de notre côté le sentiment que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes très bien soutenus et nous souhaitons que cette collaboration puisse aller de l'avant. Et c'est l'occasion rêvée pour moi de profiter de vos micros et caméras pour rendre un vibrant hommage d'abord au directeur de l'agence, ensuite à son ministre, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement ainsi qu'au président de la République. Bon, à Ziguinchor, puisque nous avons informatisé, ça a permis au moins de construire une base de données qui fait que les registres au niveau des archives pour ce qui est des années d'indépendance active jouent toujours leur fonction. Mais à Ziguinchor, le cas de gestion ou de déclaration des registres n'est pas trop significatif pour l'essentiel. Tout se passe bien.